Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Campagne of Heroes 3. On se retrouve sur la campagne dynamique italienne. Alors, juste pour information, j'avais tourné ce troisième épisode, mais j'ai eu un problème. J'ai eu un problème de son. Du coup, ma voix n'a pas été capturée. Et suite à des tests, ma sauvegarde a également planté. Bon, pas très grave parce qu'il y a de l'autosave. Du coup, j'ai dû recommencer la mission au début. Donc voilà, le seul petit changement, c'est que j'ai pris un canon anti-char au lieu de prendre une petite véhicule motorisée. Et également que je connais la mission dans sa totalité. Donc il y aura un petit peu moins de surprises sur celle-là. Mais bon, c'est pas grave, j'ai préféré le retourner quand même pour que vous ayez ma voix. Je vais d'ailleurs vérifier qu'elle s'enregistre bien. Elle s'enregistre bien. Ok, je vais remonter un tout petit peu les sons du jeu parce que j'avais vu qu'ils étaient un tout petit peu faibles. Et puis ça devrait aller. Voilà, on est bien. On est parti, on est chaud. Et ben allez, c'est parti. On envoie les troupes à l'assaut. Alors ce qui est vraiment bien foutu dans le jeu, c'est que si vous avez une unité qui est devant et que vous voulez demander à l'autre de passer, et ben elle sera bloquée par l'autre en fait. Vous pouvez pas. C'est vraiment celle qui est devant qui doit progresser d'abord. Et ça c'est plutôt cool. Vous voyez, un petit fumigène devant nous pour être à l'abri. Et on peut voir qu'on a également des soutiens de sections de combattants résistants. Donc on est parti. Let's go. Pas volonté les gars. Pendant ce temps, vous progressez, vous aussi. Hop, on tire de la grenade. Bon, allez, rapidement capturer ce point. On va sécuriser de ce côté-là. Eux, ils vont avancer par ici. Allez, en avant. Ok, attention, ouais, il y a une mitraillette là-bas. On va se déplacer à l'abri de celle-ci parce qu'elle nous allume bien comme il faut. On va demander un petit barrage d'artillerie. Bon, par contre, il va falloir qu'il se rapproche. Ah oui, non, il va falloir trop qu'il se rapproche, c'est pas possible. Faut qu'on envoie quelqu'un par ici en arrière, vite et vite. Non, non, tu passes. Qu'est-ce qu'ils font ? Là, 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 et ça, let's go. On va balancer par ici des fumigènes. Enfin, gaffe, là-bas il y a un mortier également. Okay, repli. Maintenant on peut progresser. On va
On va envoyer de la grenade à gogo par ici. Ah, c'est un peu trop loin les grenades. L'ennemi nous a pinned down. Nous sommes cut down. Enemy fire is too heavy. Hop, on va les allumer à la grenade rapidement pour les achever. On va même pouvoir récupérer ça. Il faut revenir au combat maintenant, vous. Voilà, ça va être plus simple. On est du repli. Les sont pas automatiques, faut vite prendre ça parce que c'est trop pratique. Oh, j'en étais mieux sorti à la partie d'avant, hein. Mais c'est pas grave. Allez, balancez-moi une charge explosive là-dedans. Voilà. On va envoyer tout le monde ici. Pour y voir un peu plus clair. C'est que là on va choper des... Oh putain, ouais, là c'est pas bon du tout ça. Bougez vite. Push up the coast and capture it if we can avoid getting shot. On peut faire un bâtiment de plus, on va le faire. Enfin, je suppose hein, que c'en est un autre, que c'est pas le même. Un véhicule de reconnaissance, on va l'envoyer là-bas. Ok, on a tout le monde qui est par là.
On va aller faire l'objectif secondaire, de capturer l'artillerie ennemie. Hop là. On va lancer de la grenade à gogo. Vous avez le droit de l'allumer, hein. Merci. Hop. Hop, on va venir par là. Ok, donc maintenant on a l'obusier, ça va être un petit peu différent. Venez là, vous allumez eux. Venez là et... Non. Venez là et vous allumez eux. Repli. Vous. Ici et là. Eux, c'est en cours. Eux, répare ça. Ça, ça fuit. Ça. Pour le moment, ils restent là. Eux, ils tirent sur eux. Et l'obusier, on va lui demander de commencer à faire une première salve ici sur la mitraillette. Voilà, parfait. Ok, parfait. Donc l'obusier... le boulot aussi. Attention, il y a du monde qui arrive là.
move out, brothers. Loud and clear. I'll take the lead. Sniper! Get started, Nikali. We're moving out. Enemy sharpshooter has us in his sights! The Gurkali are here! Oh, les gars, vous auriez pu les intercepter. Repli pour eux. On a un pionnage sur ce bâtiment. Oh, il est en train de faire un massacre là, le sniper, faut se barrer. Beaucoup de dégâts le sniper. Le canon anti-char ici. Le mortier, on va regrouper un petit peu l'armée hein, parce que c'est un peu trop dispersé. Oh, on a même un char léger, bah parfait ça. On va ramener par là. Prérequis d'autres dans le territoire, on va acheter un commandant de char. Si tout le monde est re-soigné, ouais. Parfait. Sauf eux. Alors demander un bâtiment là-dedans. Les mortiers s'attirent. On peut déployer un mortier lourd, on va en prendre un ici. Pff, ouais, je crois que là on a fait mal à la mitraillette quand même. On va déployer donc l'unité de mortier lourd, on va la déployer par là. Mortier léger ici. Le canon anti-char ici. Soutenu par la mitraillette. Ainsi que la section d'infanterie. Allez, la mitraillette est tombée, on y va. Punaise, oui, il y a un canon anti-char là-bas. On va demander au mortier de faire un gros soutien de tir ici. Les sapeurs, ils viennent là. On re-soutient encore plus ici. Ok, on y va. Là, faut que je demande au mortier d'arrêter par contre. Stop, 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 stop. On va le récupérer. Donc on va avancer là. Avancer là. Les troupes ici. Le char, il va venir par là aussi. Ensuite, là. Vous allez là. Ok, parfait.
On va appeler les mortiers ici, ici. Canon anti-char, on en veut un. Il y en a déjà un là, donc on va en mettre ici. C'est bon, soutien mitraillette. Troupes là. S'équiper un petit peu. C'est donner un peu des munitions à tout le monde. On va descendre là-bas avec les troupes aussi. Voir si on peut déjà tirer avec ça et les obusiers sur les ponts. Et on a une mission là, 2 minutes 25, hein, détruire un pont. Ok, là-bas c'est un peu le bordel, par contre il y a de la mitrailleuse. Pour le soutien du char. Ok, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Prends des dégâts. Putain mais... Ah, ils arrivent pas à passer là. Oh là, l'unité de mortier recule. Demander un appui de la Navy. Ok, fuyez, 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 c'est pas la peine, ça passera pas. Si eux sont passés. On a réussi à détruire un des ponts. On va essayer de détruire le deuxième. C'est chaud là. Faut partir, faut partir, faut partir, faut partir, faut partir. Repli, 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 repli. C'est passif. Voilà, comme ça les mortiers vont pouvoir allumer un peu. Il faut que je demande à l'obusier de terminer le pont parce que sinon on n'est pas arrivé. Si ça se passe. Et comment il passe le pont là? Je comprends pas alors qu'il est détruit. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, c'est chaud là. Ok,
Il faut ramener ça. C'est chaud, hein. Il faut vraiment péter ce pont. Là, on n'est pas très très bien. Hein. Je galère un peu à gérer tout le monde là. Ok, ça pète un peu là. Oh bah voilà. Ouais, en gros, faut résister en attendant de péter les ponts. Bah, heureusement qu'on a des tirs de barrage. Hein. Et ben voilà. Ok, fin de la mission. Okay, mission accomplie. Sir, intelligence suggests the Germans are planning to retake Salerno. We cannot afford to lose that port. Alors là, je comprends pas un truc, c'est que j'ai refait la mission et en fait, j'avais quand j'avais tourné l'autre épisode, j'avais fait cette mission et après, bah, il m'apprenait à débloquer les talents, etc. sur les unités. Et en fait, j'ai rechargé la mission, ça m'a fait refaire la mission Salerne. Par contre, ça me remet sur la carte avec ce que j'ai fait, c'est-à-dire que eux, je les avais recrutés avant de partir en mission à Salerne. Je les avais débarqués après, avant de mettre fin à l'épisode, j'étais venu prendre ce point là. Avec eux, j'étais venu prendre cette ville, parce que vous voyez, capturer les villes et aérodromes à proximité 2 sur 3. Alors que j'en avais aucune. Ok, bah c'est un peu bizarre, ça a repris où j'en étais avant. En plus, j'avais effectivement donné un point de talent, j'avais pris observateur avancé. Le fait de refaire la mission m'a redonné des points de talent, c'est vraiment bizarre. On peut recharger en arrière, mais ça garde l'avancée sur la carte d'où j'en étais. Bon, c'est pas très grave, je vais mettre fin de l'épisode ici, et on se retrouve pour le prochain, où on va repartir sur des bonnes bases, c'est-à-dire là où j'en étais bah, après l'épisode qui a foiré. Je vous remercie de l'avoir suivi, j'espère que cet épisode vous aura néanmoins plu, et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye!